pas bientôt fini là, oui ? Enfin bref, la suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Knights World 6 et on se retrouve pour le Let's Play numéro 3 de Tomb Raider. Alors je tiens, oula, j'ai pas envie de me recevoir un caillou sur la gueule. C'était pour vous dire merci beaucoup, beaucoup si vous continuez à me suivre. Le premier Let's Play a fait plus de 1000 vues. À l'heure où je vous parle, on est à plus de... on approche les 1200 vues, ce qui est énorme pour un début de chaîne pour la 9ème vidéo. Et nous sommes déjà d'ailleurs, oula... Nous sommes déjà à la 10ème vidéo de la chaîne, ça passe déjà assez vite, même si j'ai eu même une pause de 2 semaines entre 2 vidéos à un moment. Donc voilà, je tenais à vous remercier que vous pouvez toujours vous abonner ici, ding, parce que je le fais toujours, pour regarder mes vidéos et les nouveaux let's play qui sortent. Alors si je me souviens bien, et oui je me souviens bien, nous nous étions arrêtés, nous venions de buter quelques mecs, quelques Solari, et là nous venions... de descendre à la tyrolienne. Et puis là on s'en va, on sait pas où. C'est le capitaine. Non ? Boss, j'arrive ! Oh la jambe. Si tu es vivant. Oui. Mais c'est pas Dieu qui m'a sauvé. Je suis content de te voir. J'ai l'impression qu'ils sont acharnés sur ta jambe. Non, c'est pas si grave que ça. Est-ce que tu as eu des nouvelles des autres ? Aucune. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fais ? Ils ont pris mon sac de provisions. L'émetteur du canot était à l'intérieur. Si on le récupère pas, on pourra jamais quitter cette île. Mais il te faut des bandages, des calmants, des antiseptiques. Tout était dans le sac. Super. Et oui. Pour retrouver le sac. Approche. Approche. On va retrouver le sac. Non, ne me fais pas ce coup-là, pas maintenant. Ok. J'ai remarqué qu'elle répétait beaucoup ok. Hein. Ce serait con qu'il crève, quoi. Je pense qu'il s'est juste évanoui, j'espère. Ce serait bien. Ça va, il est vivant. Ah, il est vivant. Impeccable. Donc maintenant, trouvons le sac. Allez, ma cocotte. Cherche le sac. Cherche. Ok, on a vachement le bras entaillé. Putain, sacré coup. Allez. It's our turn. D'accord, ok. En train de sauver notre peau. Le sac est là-haut, quelque part. Eh ben écoute. Exactement, il est là-haut. Alors déjà toi on te dépece. Où est-ce que nous pouvons aller ? On regarde sur la carte où est-ce qu'on est quand même. Bon, let's go. Alors on va rester en instinct de survie parce que vous voyez il y a pas mal d'objets, des trucs comme ça. Il vous faut du feu pour enflammer cet objet. Fuck. Là il y a quelque chose. Une poule. Il y a un succès quand au bout d'un moment où on tue les animaux. Bon, je vais pas le faire là, je sens que je vais me louper et que je vais la louper tout simplement. Matériaux. Alors j'ai cru voir autre chose quelque part. Oui, exact. Qu'est-ce que c'est? Il vous faut du feu pour enflammer cet objet. Ah, mais oui, mais moi j'aimerais bien du feu. Mais voilà. Non. Si, là-bas. Some fire. On peut l'allumer d'ici, je suppose. Là-bas, il y a quelque chose aussi. Non. Tu peux pas. D'accord, tant pis. Enfin, tu veux pas, du moins... Bon, alors ce qu'on va faire les gens, c'est qu'on va aller directement tout là-haut. Je sais pas comment on va faire. Parce
que je sais, c'est qu'on va y aller. Le poulet. Le poulet. On a eu le poulet. Si on le dépeut, si on gagne quoi. Ouais, 10 d'XP. Ah, par contre, on récupère les flèches. Ça fait bon, oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez, je pense qu'on va monter par là. Non, si, oui, non. Non, je pense pas. Je ne pense pas. On monte. Bon, ça va, j'ai eu le bon réflexe. Allez. Hop. C'est ruine. Période Kamakura. J'ai eu peur, je crois qu'elle... Elle est ruine, période Kamasutra. Vers où pourrions-nous t'aller? T'aller, t'aller, taillot, taillot, taillot. Où est-ce qu'on est? On est ici. D'accord. Il doit y avoir... ici, il doit y avoir des trucs quand même. Il n'y a pas des A. Un document. Non? Ça devait appartenir à un marine américain. Est-ce que cette île a été occupée ou était-ce des éclaireurs? Oula! Quand je tourne, ça vibre à mort. Est-ce que ces marques représentaient des amis perdus ou des ennemis tués? Dans les deux cas, c'est trop pour un seul homme. Oui, je pense. Je pense. I think that if hypothèse is not good. Je vais arrêter l'anglais parce que sérieux, ça me pique les oreilles moi-même. Oh, il y a des flèches en bas. Bon, pas grave, on a plein de flèches de toute façon. Puis on a le truc recyclage, donc je pense que c'est pas très grave. Allez, vas-y, saute! Et accroche-toi. Ça tangue un petit peu des os. Vous pensez qu'on passe à travers si... Eh, mais les cordages, ça, je crois que c'est... Les cordages, ça sert pour... Pour comment? Ah, merde! J'ai oublié, merde, comment... Ah, le grappin, voilà, merci, monsieur. Pour le grappin, des flèches à grappin, mais on n'en a pas maintenant encore, donc en fait, ça veut dire qu'une fois qu'on a des flèches à grappin, on doit revenir sur nos pas à chaque fois. Vous voyez, là encore, il y en a. Eh, on est vraiment trop con, là, il y avait un escalier pour monter juste au-dessus, on s'est amusé à sauter dessus. Gogol. Enfin bref, il est où le truc? Là-haut. Continuons. Hop là. Assassin's Creed. Des corbeaux. Est-ce qu'on en peut en avoir un à votre avis? Non, on va pas tenter. On va pas se la tenter. Encore un avion? Une tyrolienne. On va passer par là. Hein. Par là, non, oui, non, bah non. Non, monsieur. Par là, par contre. Allez, saute. Ah non, mais sérieux, mais après, pas pouvoir sauter sur le nez d'un avion, tu peux pas sauter ça, alors que là, tu escalades ça, mais easy life. Ah non. Mais alors, heureusement que tu peux escalader ce truc. Hop, elle tombe pas. Eh bah putain, heureusement que j'ai appuyé sur A au bon moment. N'est-ce pas? Des flèches. Donc en fait, je pense qu'on peut, s'amuser à buter les corbeaux. Putain, mais j'aimerais bien. Mais j'aimerais bien, il vous faut du feu. Mais oui, monsieur, j'aimerais bien. Mais je ne peux pas. Ça me fait un peu chier d'ailleurs, parce que ça se trouve, ça sert à quelque chose. Non, bah non. Ouais. Et je vais où, là, après? Et avec quelqu'un, il m'explique. Ah, téléphone. Téléphone. Ah si, on peut aller par là. Non, j'ai là, sérieux, j'ai peur de me faire mal et de tomber et de m'exploser la gueule par terre. Bon, on va par où? Oh putain, ça commence bien. Ça commence magnifiquement bien. Ah bah voilà. Saute! Hop là! Oh, oh là, oh là. Cours, 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 cours. Parce que là, on va tomber en arrière. Yeah. Par là, il y avait quelque chose. Il me semble. Parce que là, vous voyez, on aurait eu une flèche. Forcément, ce serait plus rapide. Mais non, on l'a pas. On l'a pas. À moins qu'on puisse l'améliorer un moment, tout simplement. Bah, je pense que oui. Ça me semble logique. Il faudrait que je regarde ça de plus près. Hein, mais on regardera ça. On regardera ça. On s'en rapproche, les gens. On s'en rapproche. Ah oui, puis voilà. Après, on passe par le toit. Après, on passe par là. Elle saute! Oh, 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 on joue avec le feu, mais on n'a pas de feu, donc on joue pas avec le feu. Le sac est là-dedans. Par contre, là, j'entends les loups. Je sais pas où ils sont.
Je ne sais pas où ils sont. Il y a quoi par là? Oh, des inscriptions. Un tombeau. Les gens, il y a un tombeau. Ah bah allez, allons-y. Je propose que avant de récupérer le sac, on aille se faire le tombeau. Je pense que ça peut être cool. Je sais pas, bon, on prendra le sac après. Allez, on prendra le sac après. On va faire le tombeau. Alors, ah, une géogâche, non? Géogâche, 1 sur 15. Génial. Bon, comme je vous dis, hein, tout ce qui est géogâche et tout ça, on les trouvera. Je les trouverai après de mon côté. Hein. Pour l'instant, on s'occupe surtout de la quête principale. Tombeau inaccessible. Ok. Bon. Bah, il nous faut autre chose. Ah ouais, bah ouais, il nous faut ça. Bon. Ah, peut-être qu'il faut avoir... Ouais, il faut trouver l'autre piolet. Bah, ce tombeau-là, bah, pareil, je le ferai une autre fois. Bah, tant pis, on va suivre la quête principale. Je suis désolé, j'espère que après cette faute, vous me suivrez toujours. Et voilà. Ah, bah voilà, enfin du feu. On va en fait pouvoir revenir sur notre truc après. Peut-être qu'après, en ayant cherché le sac... Peut-être qu'après, en ayant cherché le sac, on aura peut-être l'équipement qu'il faut. Putain, il m'a fait peur. Les gens, on va se faire bouffer. On a un flingue à la main, c'est ça qui est bon déjà. Je veux juste récupérer le sac. C'est tout. C'est tout. Ok. Pas dans tout le... Oh, les os. Il y a de la chair, il y a de la chair encore. Fais gaffe. Ça pue. Bon, on a le sac. Ça y est. Bon, il faut que je rapporte ça à Ross. Oh, c'est glauque. Oh là là. J'ai peur. Les loups vont m'attaquer. Ça pue le loup. Quand on sort là, on sort, il nous attaque. Ou alors il nous saute dessus. Et voilà. Et voilà. Allez, bouge, bouge pour une manette. Y'a tiens. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. La balle, la nous bouffe pas. Non, Y. Tiens, connard. Vas-y, Y. Y, 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 Y. Méchant loup. Ouh, le méchant loup. Ouh, le méchant chien. C'est pas bien. C'est pas bien, méchant chien. Ah oui. Heureusement qu'on a tout réussi du premier coup. Pour une fois. En fait, cette fois-ci, je sens que le violeur s'est métamorphosé en loup, en fait. Ça se sentait dans son regard. Un regard, purulent, puant et barbu. Ouh. Allez, maintenant on y retourne. Alors, maintenant, vu que j'ai du feu. Déjà tyrolienne, ça vous dit? Moi, ça me dit. Allez. Et hop là. Et maintenant qu'on a du feu, et bah ça, on peut le brûler. Non. Mais non. Mais tu déconnes. Mais putain, parce qu'il pleut, c'est bon, il y en a plus. Non, bah non. Fuck. Et merde, et merde, et merde. Et merde. Bon bah allez, alors là tu sautes ou tu sautes pas? Allez, on saute. On est des fous. Hop là. On va par où? Par là. Et après on va aller au campement et on va essayer de faire en sorte de trouver l'équipement pour améliorer le piolet. Peut-être que comme ça on pourra faire ce qu'il faut pour l'améliorer. Je pense. Je vous laisse la cinématique. Bon, je vais te remettre sur pied. Qui était courte, somme toute très courte. Il va faire jour et beau peut-être. Eh ben non. Ross. C'est pas mal. Où est-ce qu'une jeune fille comme toi a appris à faire des bandages? J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Oh. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Hé, hey, tu l'as retrouvé. Bien joué. Lui, il a une bonne tête. Alors, il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça? C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. Écoute, Lara, il faut qu'on envoie ce SOS. Mais je ne suis pas en état de grimper.
donc, on va tous coltiner. J'avais peur que tu me dises un truc comme ça. Tu peux le faire, Lara. Après tout, tu es une Croft. Mais je ne suis pas ce genre de Croft. Bien sûr que si. Ah oui, mais monsieur. Mais tu ne le sais pas encore. Voilà, le piolet. On va pouvoir aller faire le tombeau. Un PK. J'espère pour nous que tu as raison. Mais... sois prudente, Lara. Allez, soyons prudents. Alors, voilà, donc là, on va aller faire le tombeau et on continue la quête après. Donc... attends, est-ce qu'il va parler? Non, elle stresse. Eh ben non, elle parle pas. Donc voilà, piolet canté. On va donc aller faire le tombeau. Appuie sur X pour s'escalader. Ouais, je sais comment ça marche, t'en fais pas. On va juste améliorer nos points de compétence avant de partir. Et après, on y va, les gens. Alors, par contre, on aura... je vous aurais dit dans un moment, quand vous avez vu que je pouvais pas faire le tombeau, j'ai dit que je pouvais pas. Mais je vais vous dire que je vais mettre un descriptif comme quoi que le tombeau arrivera 5-10 minutes plus tard, je sais pas trop. Bon, ça fait 8 minutes à peu près, peut-être. Et donc voilà, donc survivant, collecteur de matériaux, recyclage, fouille, agilité, escalade... Ah oui, agilité d'escalade, je l'ai déjà parce qu'en fait, j'ai avec les DLC, pareil, j'ai eu tout ce qu'il fallait pour l'avoir. Du coup, je pense qu'on va peut-être partir sur chasseur, un bon usage, il faut quoi, niveau 2 de vétéran, ouais, donc... tir stabilisé, un bon usage de vos sacs qui vous permet de transporter plus de munitions. Ah, ça peut être... Oh, quoique, on en a pas besoin, on n'est pas des fous fifous, on sait viser un minimum. Vous gagnez des récompenses supplémentaires en fouillant les cadavres d'animaux et les couches de nourriture. Fouillez les caisses et les caches pour trouver les matériaux supplémentaires. Vous avez le moins cadavres d'animaux pour récupérer les matériaux supplémentaires. Impeccable. Trouvez les poches cachées sur les cadavres ennemis pour récupérer les munitions supplémentaires. Ça, c'est bon. Eh bien, écoutez, une meilleure observation permet de repérer les animaux. Non, on s'en fout. Les récompenses supplémentaires. Ouais, les caches de nourriture. Bon, allez, ça, c'est très bien. Voilà, récupérer plus de matériaux. Comme ça, on aura plus... ce qu'il faut pour améliorer ensuite nos armes et tout ça. Et on repart, parce que je pense qu'on n'a plus besoin de tout ça. À moins qu'on puisse là, améliorer l'arc, pistolet, rafale, chargeur amélioré, 136... Ok, il faut minimum 200. Donc ça sert à rien, on va faire le tombeau comme je vous ai dit. On va s'entraîner au piolet. Bah alors là, on voit avec l'instinct de survie qu'on va grimper ici. On va s'entraîner, on va faire le tombeau et ensuite on continue... Our Aventure, j'ai dit que j'arrêtais. Alors, il faut rester appuyé sur X. Sinon, on se casse la gueule, je suppose. Je vais pas essayer parce que là, je suis un peu trop loin. J'aurais dû essayer juste avant. Mais c'est impeccable. Et après, elle dit que ce n'est pas une Croft. Et bien, écoute, pour servir d'un piolet comme ça, il faut déjà en vouloir. Allez, on retourne là-haut. Ah non, pas besoin de rester appuyé sur X. Hein. Vous aurez juste besoin d'appuyer une fois. Et c'est bon. Après, il n'y a plus qu'à pousser le stick vers le haut. Donc, écoutez, c'est impeccable. Ok, donc là, par contre, il va falloir appuyer sur X. Ok. Toc là, impeccable. C'est ça qui est bon. Bon, là, c'était un petit peu coupé par 2-3 petits textes. Donc, voilà. Et voilà, explorer les nouveaux tombeaux. Et c'est parti. Alors, normalement, c'est le premier tombeau du jeu. Mais vu qu'on a eu le DLC exclusif et que je vous ai montré dans le Let's Play 2, si vous n'avez pas vu, vous pouvez toujours aller voir. Mais le tombeau de l'aventurier, qui est un tombeau qu'on ne peut pas faire si on n'a pas réservé le jeu. Ou tout simplement si un pote nous a parfilé le code qu'il n'a pas utilisé. Et là, maintenant, on peut enfin y aller. Donc, comme je vous ai dit, je vous aurais prévenu par écrit juste avant. Tout à l'heure, quand j'ai dit que je ne pouvais pas et que je le ferais tout seul. Et finalement, on va pouvoir le faire. Et ça, c'est cool, les gens! Ça, c'est moins cool, mais l'instinct de survie nous permet de regarder. Donc, écoutez, c'est pas mal non plus. Par contre, si tu pouvais courir, cocotte... Bon, tu peux pas courir, tant pis. Y a rien à ramasser. Bon, en même temps, faut dire que c'est un peu sombre, donc c'est vrai qu'à sa place, je ne courrais pas non plus. Bon, maintenant, si. Ok. Suivons le sentier. C'est un campement, ok. Bon, on aura peut-être que ça nous permet de le découvrir. Je sais pas. On a la torche toujours, s'il te plaît? Non, parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'elle soit cramée, là. Au pire, je sens que ça sert à rien. Parce que, plouf, petite douche.
tombeau de l'impie. Oh, ces silhouettes dorées, les servantes de la reine solaire. Alors, bon, bah j'ai envie de vous dire que c'est parti. Alors ça... Hop là, oui mon dieu, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Des sacrifices, des meurtres. Il n'y a aucune trace de ces rituels dans les récits de Yamatai. D'accord. À moins qu'on les ait effacés. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut les brûler. Il nous faut du feu pour enflammer cet objet. D'accord, bah ça j'avais compris, merci. Donc là, ici, c'est si jamais on tombe, je suppose. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que là, j'ai peur que si on saute... Hop là ! Non, c'est bon. Ah non, le feu est là. Ok. Donc il fallait sauter maintenant. Ouais. Et après ? Non, c'est bon, elle garde la... J'ai juste peur qu'elle ne garde pas le... Parce que je suppose qu'il y a quelque chose qui est trop lourd. Faut peut-être les brûler. Non, si. J'espère qu'il faut les brûler, hein. Parce qu'il y a des choses qui tombent, mais... Si, exact. Voilà. Ça reste en haut, donc du coup, ça doit servir à quelque chose. Ah, ah, ah. Eh ben non, tant pis, je croyais qu'on allait pouvoir prendre le piolet, bah on aurait pu. Mais là on ne peut pas, tout simplement parce qu'il faut monter plus haut. Si on pousse ça... Impeccable. Maintenant faut-il encore qu'on y aille. Ah oui, ok. Donc il faut qu'on laisse des trucs, faudrait qu'on pousse des trucs là-dedans. Comment on peut faire, les gens? Comment on peut faire? Faire. Il faudrait qu'on pousse des trucs là-dedans pour qu'on puisse monter. Mais à tous les coups. Bah non, ça on peut pas le prendre. Ça non plus. Bon, faut bien qu'on tatouille partout. Mais reste là. Eh, doucement! Bourrine. Bah. Faudrait qu'on puisse. Ah non, 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 c'est bon. En fait, non, c'est bon, impeccable. Et bah, impeccable. Et voilà la solution. Le coffre est là-haut. Allez, espérons, les gens, espérons. Eh non, il n'est pas là-haut. Par contre, il y a de jolis symboles. Et de jolis crânes. Ça a peut-être été construit en l'honneur de ses prêtresses. Incroyable. Allez, du blé. Soulève-moi ce coffre. Et bah voilà. Tombeau pillé. Tombeau de la pie terminé. Un point de compétence trouvé en feu de camp. C'est impeccable. Village de montagne, carte relique trouvée. Voir l'emplacement des récompenses. Donc c'est quoi là? Village des montagnes. Oula, oulala. Qu'est-ce que c'est? J'ai une carte au trésor? Non. À vrai dire, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Atteignez le sommet de la cascade. D'accord, oui bah... Bon, ok, on a village des montagnes, donc on a gagné quelque chose. Allez-y! Et allez, on peut aller s'améliorer un point de compétence. Et ça, c'est bon, les gens, c'est bon! Qu'est-ce qu'on a des points de compétence en ce moment? Et 386 d'équipement, on va pouvoir s'améliorer une arme ou quelque chose dans le genre. Vu qu'on a 34%, je propose de faire chasseur. Hein. Capacité de munitions. Bon, bah. Vous pensez qu'il faut faire ça pour ensuite niveau de compétence, maîtriser 4 compétences supplémentaires pour obtenir ouais, donc en gros c'est 4 compétences en tout. Donc vous gagnez des récompenses supplémentaires. Vous fouillez attentivement les cadavres d'animaux pour récupérer les matériaux supplémentaires. Bon bah c'est ce qu'on va faire, hein. Voilà, donc comme ça maîtriser 3 compétences. En fait il faut toutes les compétences là avant de faire ça. Bon, parce qu'on m'a parlé de compétences de contre-attaque après qui servaient vachement et que si on les prenait pas, on pourrait avoir trop de mal. Donc pistolet, équipement, arc. Bon, je propose le flingue. Hein. Alors, permet un mode tir alternatif.
Rafale, chargeur long contenant 10 balles, compensation du recul permet d'améliorer la précision et d'augmenter les dégâts. Bah écoutez, ça me semble somme toute correct. Allez hop, canon aéré compensé. Et voilà, donc il nous reste combien? Il nous reste 186, donc 80, 100, 200 moins 186, ça fait 14. Donc il nous reste plus que 14 matériaux pour faire une nouvelle amélioration à 200, et ça c'est bon. Ça c'est bon. Allez, allume le feu. Allumez le feu. Pardon. Pour y aller. Par contre, je sais pas pourquoi il marche ici. Ça me fait. On a l'impression qu'il y a un truc important ou là, alors que le chemin à gauche il mène au même endroit. Puis là, pour avoir des remplacements, des récompenses sur la carte. Ah, est-ce qu'on a des récompenses? On a gagné des cadeaux. Des cadeaux. Alors au fait, je voulais vous dire. Je vous avais dit, bien sûr, Guillaume. Oh bah, maintenant vous savez mon prénom. Et voilà, ma vie privée est foutue. Ma vie privée est foutue. Oui, donc voilà, je m'appelle Guillaume, pour ceux qui ne le savent pas. Qu'est-ce que je voulais dire, du coup, maintenant? Et bah, je ne sais plus. Si, je vous avais dit qu'en 2 semaines, je ferais 4 vidéos. Mais en fait, du coup, je vous ai menti. Je vous ai menti. Je ferai pas 4 vidéos, mais j'en ferai 6. Oui, j'en ferai 6, mais en 3 semaines, du coup. Vous doutez bien que je vais pas en faire plein à la 2e semaine. Là, c'est la 3e, donc la 4e va arriver. Toc, hop là. La 4e va arriver la semaine prochaine. Va arriver au début de semaine prochaine. Mais après, je vais continuer parce que j'ai envie, parce que ça me plaît. Donc, du coup, peut-être même pendant 4 semaines, hein, pendant un mois entier, on va faire que du let's play. Du coup, ça nous fera 8 let's. Non, rien. On en reparle après, les gens. Y'a personne là-haut. Ils auraient pas pu aller aussi loin. Tu crois qu'on devrait retourner? Oh bordel. Oh putain, ils sont là. Non, on attend que ça se calme. Compris. Oh bordel. On ferait mieux de rentrer. Ouais, rentrer. Oh putain. Alors là, faut s'en faire 2. Ou au moins lui. Au moins lui. Allez, on est fou. Tiens. Impeccable. Allez, on tire dans le mur. Tiens. Impeccable, les gens. Putain. Un vrai Robin des Bois. Enfin, une Robin des boîtes. Et on des boîtes aussi. Un poulet! Un poulet! Tiens! Mort le poulet! Et on a eu des modifications d'équipement. C'est impeccable ça! Allez, une petite caisse, un petit bonhomme, on récupère 2 arcs et 5 balles en plus. Du coup, ça nous fait combien? Ça nous fait 41 balles de gun! Ça, c'est bon! C'est bon! Hop, lui, on va lui récupérer ces trucs aussi qu'il y a sur lui. Bah, j'ai cru que ça aurait été plus compliqué, vous voyez? Et un document en plus. J'ai parlé à plusieurs habitants de l'île. On va pas lire, c'est peut-être un peu long, mais ça nous fait un document quand même. Et là, une caisse de matériaux. Mais dis donc, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Oui, donc du coup, je disais, vu que j'étais totalement coupé par ces 3 cancres là, que je ferai une vidéo. Je ferai sûrement pendant un mois, du coup, 8 let's play. Ouais, c'est ça, si je calcule bien. Ouais, c'est ça, ça fait 8 let's play. Ouais. J'ai un gros doute, bah écoutez, je vais pas trop chercher parce que y a autre chose à faire. Nous avons à découvrir ceci, cela. Alors ça fait combien de temps là? Ça fait à peu près, d'accord, ça fait 30 minutes environ que nous sommes sur le jeu. Sommet de la cascade, c'est là-haut. Et allez! On y va! Allez, on saute Clara. Excuse-moi, j'ai écorché ton prénom, je voulais dire Lara. Le fond va s'écouler, c'était gros comme une maison. Allez! X au bon moment, X au bon moment, X au bon moment, allez! Ouf. J'aime bien les petites zones de suspense Lara, comme ça. Hey, yes, où es-tu? Tu as trouvé Sam? On est toujours sur sa trace. Ok, je vais essayer d'envoyer un SOS depuis une vieille tour radio. Une idée? Tu vas devoir trouver la console de communication. Ça ressemble à un vieux standard téléphonique. D'accord, okay. Je te rappelle dès que je la trouve. Ça, Raoul. Donc on va trouver ça tout de suite. Allez. Oh bordel. Vous en prie, ne faites pas ça.
et apprends à viser. Bordel de merde. Vas-y, dépasse ta tête. Oh le bâtard. Pas au corps à corps. Tiens. On est d'accord, il y en a un autre là-bas. Non. Alors, eux, j'avais lu dans mon bouquin, ils sont au corps à corps, donc ils mettent du temps à venir vers nous, mais ils font putain de mal. Donc, si vous voulez, on va pas trop test. Je pense que ça sert à pas grand-chose. Carte au trésor. Ah ouais, voilà, c'est ça qu'on a gagné, en fait. Et donc, on doit aller où? Ok, trouver le bunker, il est là-bas. Et là, on est là, donc on découvre... D'accord, il y a des reliques et tout ça et tout le tralala. Oh, bordel. Ok, le tombeau est là, était là. Il y avait plein de trucs à voir là. Oh mais c'est génial ça. Bah écoutez, je sens qu'après la vidéo, moi, bah, je vais revenir là-dessus. Enfin d'abord, je vais peut-être faire le montage et ensuite je vais revenir là-dessus. Parce que là, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Allez, vas-y, tombe. Il y a sûrement un truc sympa là-dedans. S'ils nous mettent du feu à côté, c'est qu'il peut y avoir que des trucs sympas. Ouais, plus 30 de matériaux. Ma foi, c'est somme toute correct. J'ai cassé un bocal juste comme ça, quand même. Quand même. J'ai un mauvais pressentiment. Merci de me le dire, au moins je vais pouvoir m'armer. Allons-y. Gaiement et gentiment. Tu pourrais me dire quel est ce mauvais pressentiment? Une vidéo. Je vous laisse parce que ça va sûrement lancer la vidéo. On se retrouve tout juste après. Crois-moi, Reyes, c'est mécanique, c'est pas un problème électrique. Maintenant, Alex. C'est pas. Ok, peut-être que c'est un problème électrique. Non, tu crois? Ah, bonjour. Qui est cette demoiselle? Elle est mignonne, hein? Ah, plutôt, ouais. Oui, c'est Alisha. Alisha? C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans. Et elle est plus débrouillarde que toi. Elle doit tenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et oui. Je vais aller voir ça. C'est un problème électrique. Elle tient de son père. Pas mal. Donc j'étais sur le lac, pour une partie de pêche nocturne. Hé, Grim, c'est l'heure de fermer les écoutilles. J'arrive tout de suite. Donc j'étais sur le lac. Et cette chose arrive vers moi, et commence à sortir de l'eau. Alors je lui ai mis un coup de boule, vous voyez. Je vous assure que 9 coup de fois boule. Sur 10, ça marche. Pardon. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine. Et j'ai pas bu une goutte depuis. À tout à l'heure, Sam. Oula. Ok, on peut refaire une prise, s'il vous plaît? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3, et action. Alors, vous le tenez bien, et vous lui ouvrez le ventre, comme ça. Ouais, mais il faut... C'est pas vrai. Coupez! 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 Coupez. Faites un câble. Il va revenir. Je vais le chercher. L'archéologue mondialement connu. Et je peux vous dire... L'archéologue de renommée mondiale, le docteur Whitman. Ce n'est qu'un poisson. Je sais aller. Que ce n'est qu'un tout poisson. Tout va bien se passer. Cette fichue télé-réalité, je n'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner. Sans vouloir vous vexer. Le public veut voir des choses, docteur Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, on reprend au début, d'accord? On s'arrangera au montage, vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Allez. Alors, tenez-le fermement et tranchez-lui le ventre. Comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux.
Et si jamais le Yamata ne se trouvait pas dans le triangle du dragon? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier. T'as couru pour venir me le montrer dans ton pyjama à pingouin. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. Allez, crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi, Lara. La tempête n'est plus très loin. Allez, ne t'inquiète pas. On s'en sortira. Un petit peu longué comme vidéo, mais bon, c'est pas grave, on revient tranquillement. Ok, Lara. C'est pas le moment de faiblir. Tout le monde compte sur toi. Tout le monde compte sur toi. Eh ben écoutez. Déjà, voilà, merci. Des balles, des boules. Ça pue. Oh là là. Ça me fait peur. Comment on va faire? Comment on va faire? Mais c'est impossible. On va tous les alerter là. Non, là on peut pas ne pas les alerter. Ah, on va l'étrangler peut-être. Allez, allez, crève. Tiens. Eh ouais, comme ça c'est bon. Alors lui il était... Alors eux faut essayer de les... Putain, de les tuer sans qu'ils se fassent... Oui. Un. Allez, un prochain. Je reste concentré les gens. Faut que dès que... Et lui là-haut, on se le fait comment? Vous pensez qu'on peut l'avoir d'ici? Tiens! Oui, monsieur! Oui, monsieur! Oui, monsieur! Putain, on l'a trop bien eu! Oh, c'était bon, on s'est tous fait discretos! Tac, tac, bang, bang! Viva Veth! Alors, lui! Et de 1, vas-y, récupère-nous tout ça! Plein, oui, c'est les munitions! Donc, oui, au fait, l'autre fois, quand j'ai dit plein, ouh, qu'est-ce qui se passe, dis donc! En fait, c'était les munitions! Eh, vous pensez qu'on peut faire le jeu de tir? Allez, on vise! Non, loupé. Oh putain, merde. Oh, quel trou de balle. Oh, quel trou de balle. Tiens. Tiens. Petit con, va. Je t'ai foutu une gifle. Une gifle de fille, en plus. Quel con, mais j'ai... Ouais, gna gna gna. Ouais, y'a plus personne, mais bon, quand même. Quel con, l'autre, il s'amuse à tirer, forcément. Bah, il en restait un, mais bon. C'est pas très grave, au pire, là. Quand même foutu une gifle de fille. Allez. Allez. Bon bah on y va. Entrons dans le bunker. Qu'est-ce qu'on doit faire déjà? Entrer dans le bunker. Tout simplement. Gne, gne, gne. C'est bon, on est rentré là. Je considère que nous sommes rentrés. On est plein. On est plein. Allons-y. Let's go. Pas par là. Il doit sûrement y avoir un autre endroit pour rentrer. Oui, exact. Je pense que par là, c'est mieux. Non, non plus. Par où est-ce qu'on peut passer? Par où? Peut-être par là? Peut-être par la voiture? Bah non. Eh nié, comment on peut passer? Comment je vais passer? C'est bien si on reste bloqué là alors que la vidéo va bientôt se terminer. Je dis bravo Guillaume, bravo. Ah, peut-être par là? Bah non, on en vient là, yeah. Autiste. Oh, j'avais pas vu. Sympa. Sympa les cadavres. Sympa, sympa. Bah par là, voilà. Hop là. Des balles, d'accord, en fait ici il y a juste des balles. On peut pas monter par là, non, rien, que dalle, que de nenni, que de chat. Trop petit chat, trop petit chat, trop petit chat, j'ai pas de paille, j'ai pas de paille. Oh. On est encore plein. Bon, c'est bien, on découvre des choses, mais moi ce que j'aimerais bien savoir, c'est par où aller.
D'accord, par là. Ah, du coup, on doit passer par là, alors. Non ? Bah si. Bah voilà. Bah alors. Lara, qu'est-ce que tu me fais ? Mais Lara ! Allez ! La crotte, pour être poli. Là, ça va quand... Alors, attendez, on va ouvrir mon bouquin magique. Grimpez dans le bâtiment et faufilez-vous dans la pièce devant vous, vous pourrez surprendre un autre ennemi. D'accord, mais d'abord, je veux descendre dans le chemin, fouiller la zone de l'est de la base pour trouver la première relique. D'accord, mais moi, je veux bien, mais... Camp de base, tunnel détruit, vous apprenez un avantage sur vos compagnons de l'équipage en regardant la vidéo de Sam. Entrez dans le bunker. L'élimination pour éliminer, liquider ensuite celui de gauche pendant son copain va voir ce qui se passe à droite, faites immédiatement le même ennemi à droite. Et hein, pendant ce temps-là, note Lara danse un petit coup, nananana. Qui est debout à la côté de la porte, restez dans l'ombre. Grimpez dans le bâtiment et faufilez-vous dans la pièce devant vous. Grimpez dans le bâtiment, mais bordel de merde, il va me dire comment grimper dans le bâtiment parce que là je sais pas comment grimper dans le bâtiment justement. Je m'en fous, de toute façon on trouvera. Ah bah voilà. Non, tu vas pas me dire que c'était ça qu'il fallait faire. Elle vient de s'accrocher à un bout de mur, là. Ah bah si, ça va être ça, à tous les coups. Ah bah non. Allez, mais tu peux t'accrocher, là. Bordel. Oh, ça me saoule. Non plus, j'y ai cru, là tu... Eh non, mais sérieux, putain, il y avait une porte. Mais sérieux. Oh mais pour la peine, je vais vous dézinguer. Mais avec un flingue, hein. Et bien qu'il faut... Dans votre... Tiens, bousculé. Tiens. Dis-moi, tu parlais tout seul? Tiens. Oh putain, un cocktail Molotov. Il est où l'autre? Tiens. Vas-y, vas-y. Oh le bâtard. Ils ont des flèches explosives. Enfin des flèches explosives. Des flèches qui brûlent. Ça brûle. Alors tiens, merci. On a tout l'arc, sérieux, mais c'est avec le recyclage, c'est type magique, tout ça. Oh j'ai voulu y aller en ville. La bourrin là, tiens le bourrin. Oh ça, franchement là on a fait que des fautes nues, enfin des fautes. On peut pas vraiment appeler ça des fautes, mais alors ne pas voir la porte juste à côté, surtout que vous avez dû la voir au montage, enfin au montage. Quand je vais repasser dessus, je vais essayer de voir ce qui s'est passé, mais à tous les coups, pas par là, merci, fais pas ta bourrine encore. Mais à tous les coups, ça va être ça quoi, je vais la voir. Non, du barbelé ça marche pas trop. Bon, c'est juste au-dessus, donc c'est par là qu'il faut monter. Je viens de voir juste avant en plus. Il y a le bout de bois qui me dit que. Attention, barbelé, ah, ne t'écorche pas le bras, ils sont déjà. Seconde guerre mondiale. Seconde guerre mondiale. Non, d'accord, c'est rien, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais failli le louper. Et hop là. On y est. Je sais pas où on est, mais on y est. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va trouver la console de communication au bout et qu'après, on va se quitter pour la prochaine vidéo. Un doc. On va pas lire non plus. C'est pas que c'est pas important, mais on n'a pas vraiment le temps. The time. Allez, ouvre ça. Allez. Hop là. Je sais pas à quoi ça a servi, mais ça va forcément servir à quelque chose un moment. Ça, c'est sûr. On a sorti notre arc. Où est-ce qu'on est? Qu'on regarde sur la carte. Ok. Pourquoi ils ont besoin de ça? Sûrement pour le générateur. Pour la tour. Allez, les deux à suivre. Comment on va faire? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de renfort! On me fait tirer dessus! Pas de renfort. Tiens. Une gifle. 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 Tiens. Une gifle. Oh putain. Le bidon. Ah, je suis diabolique. Le bidon t'a pété à la gueule. Par contre, je sais pas si on va pouvoir récupérer 2-3 trucs. Si, moi aussi. Ça reste Saint-Patrick du coup.
Allez, où va-t-on? Il y a quelque chose par là? Non, il n'y a rien, Clara. Lara, j'ai failli dire Clara encore. Les dégâts sérieux à la jambe mettront un ennemi à terre. Oh putain. Vas-y, approche. Approche. Tiens, une gifle. Les gifles. Ça fait mal, les gifles de filles. Hein, hein. Ça fait mal, hein. Allez, tiens, file-moi ta thune. Hop là. Trouver les consoles de communication. Passons par là. Ils ont bien dit de passer par là. Ah, d'accord. Par ici. Dans le petit trou, les petits trous, plein de petits trous. Eh bien, écoutez, les gens, je crois qu'on va se laisser ici, parce que ça fait déjà 45 minutes, bon, du coup, avec le générique, ça fera 46 minutes, qu'on est sur la vidéo. Du coup, n'oubliez pas de partager la vidéo si vous avez aimé. Encore merci pour les 1000 vues, ça me touche énormément, le deuxième Let's Play, ça fait 2 jours qu'il est dessus, nous sommes à déjà 400 vues. Il y a plein de monde qui vient sur ma chaîne, tout le monde me dit, donne de bonnes critiques, d'autres me donnent de moins bonnes critiques. J'en suis tellement content que je vais faire un feu d'artifice pour vous. Tenez, bouh ! Feu d'artifice. J'ai des bonnes critiques, ça me fait plaisir que vous me donniez ces critiques parce que j'y tiens compte. Ne pas parler pendant les cinématiques, on me l'a reproché plus ou moins gentiment. Ceux qui me l'ont dit gentiment, je leur ai répondu. Ceux qui me l'ont répondu du genre, il y en a un qui m'a dit tu parles pendant les cinématiques, c'est vraiment de la merde, je m'en vais. Puis il a dû mettre un j'aime pas après, je crois. Ça sert à rien de le dire comme ça. Autant si c'est vous aimez vraiment pas, dites-le moi, mais gentiment et tranquillement. Ça me fera plaisir quand même, au moins pour que je m'améliore. Et là vous voyez, je vais pas parler pendant les cinématiques parce que je vous écoute avant tout. Je suis toujours aussi passionné pour ces vidéos. Alors partagez, aimez si vous aimez, et si vous avez aimé, abonnez-vous. Je sais pas, faites ce que vous voulez, faites l'amour, c'est là pas la guerre, etc. Enfin bref, je vous dis à très très bientôt les gens. On se retrouve pour le Let's Play 4 de Tomb Raider. Là nous sommes normalement samedi. Et ben on se retrouve lundi. Non, peut-être plutôt mardi, mais lundi. Si franchement j'ai le temps, je vous la mets lundi soir. Gros bisous, ciao 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 les amis, je vous aime fort, bisous.